Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à tricher, à ne rien faire, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin. Avec soin et précision, ce que je veux dire. Lentement. Calmement. D'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été, pour les autres, et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé? Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même en être le seul messager. Et paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider. Me donner, et donner aux autres, et à eux, tout précisément toi, vous, elle, cela encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis. Me donner et donner aux autres, une dernière fois encore, l'illusion d'être responsable de moi-même, et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer, laisse-le avancer. Elle est contente. On dirait un épagnol. Tu ne dis pas ça. Louis, tu ne connais pas Catherine. Vous ne dites pas ça, vous ne vous connaissez pas. Jamais rencontré, jamais. Comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très content. Oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi. Catherine. Tu lui serres la main. Louis, Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Tu lui serres la main. Il lui serre la main. Ils vont tout de même pas se serrer la main, vous allez pas vous serrer la main, on dirait des étrangers. Il ne change pas. Je le voyais tout à fait ainsi, tu ne changes pas, il ne change pas. Comme ça que je l'imagine. Il ne change pas, Louis. Ne lui serre pas la main, embrasse-la, Catherine. Il se voit pour la première fois. Oui, non, pardon, elle a raison, je suis très content. Vous permettez, je vous embrasse. Tu vois ce que je disais, il faut leur dire. Mais en même temps, qu'est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête? Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils ne se connaissent, que vous ne vous connaissiez pas, que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils. Cela, je n'aurais pas imaginé, cru pensable. Vous vivez d'une drôle de manière. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis, le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées.
Oui, elle sait ça parfaitement. Oui, c'est bête. Je ne sais pas pourquoi je demandais cela. J'avais oublié toutes ces années. Je ne me souvenais pas à ce point. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture, on peut pas savoir, ce serait logique. Je t'attendais et le bruit de la voiture du taxi, immédiatement, j'ai su que tu arrivais, je suis allée voir, c'était un taxi. Ce n'est pas bien, j'aurais pu aller te chercher, j'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones et je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça, hein. Je leur ai dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. Et tu as fait bon voyage? Je ne t'ai pas demandé. Je vais bien. Je n'ai pas de voiture, non. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Faut rien exagérer, ce n'est pas un grand voyage. Tu vois, Catherine, ce que je disais, c'est Louis. Il n'embrasse jamais personne, toujours été comme ça. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Suzanne, fous-nous la paix. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je lui parle, celui-là? Je te parle? Maman! Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendrez. Et les lui retirer à la dernière minute, elle n'aurait pas admis. Mais ils auraient été très heureux de vous voir. Ça, on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi, Antoine également. Nous aurions été très heureux qu'ils vous rencontrent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas bien compte. Je ne suis pas la mieux placée. Mais tout le monde dit ça. On dit qu'elle ressemble à Antoine, que c'est exactement son portrait. En fille, la même personne. Et le même caractère, le même sale mauvais caractère. Ils sont les deux mêmes, pareils et bornés. Comme il est aujourd'hui, elle sera plus tard. Vous nous aviez envoyé un mot. Vous m'avez envoyé un mot. Un petit mot et des fleurs. C'était une attention très gentille et j'en étais touchée. Mais en effet, vous ne les avez jamais vus. Et c'est pas aujourd'hui que cela changera. Je leur raconterai. Nous vous avons envoyé une photographie d'elle, mais je ne sais pas si vous l'avez reçue. Sur la photographie, elle est très différente. Aujourd'hui, elle a grandi. C'est dommage, vous ne pourriez la reconnaître. Laisse ça, tu l'ennuies. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me dis pas ça. Je vous ennuie. J'ennuie tout le monde avec ça, les enfants. On croit être intéressante. Je sais pas pourquoi il a dit ça, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que t'as dit ça? C'est méchant. Enfin, pas méchant, non. C'est déplaisant. Ça ne m'ennuie pas du tout, tout ça. Mes filleuls, neveux. Mes neveux, ce ne sont pas mes filleuls. Mes neveux, nièces, ma nièce, ça m'intéresse. Il y a un petit garçon aussi.
Il s'appelle comme moi, Louis ? Oui. Je vous demande pardon. Non, non, ça me fait plaisir. Je suis touché. Enfin, j'ai été touché. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon, il a maintenant 6 ans. 6 ans ? Je ne sais pas. Quoi d'autre ? Ils ont 2 années de différence. 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pouvais rajouter ? Je n'ai rien dit. Ne me regarde pas comme ça. Tu as vu comme elle me regarde ? Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Il t'écoute. Cela t'intéresse. Il t'écoute, il vient te le dire. Cela intéresse tes enfants, mes enfants, nos enfants. Cela lui plaît. Cela te plaît. Regarde, c'est un homme passionné. Un homme passionné par la description de notre progéniture. Ah, il aime ce sujet de conversation. Je sais plus pourquoi. Ce qui m'a pris. Rien. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. Hein. J'ai dit ça. Ça devait être sans y penser. Oui, non, je ne pensais pas à ça. C'est pénible. C'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excuse-moi, excusez-moi. Je ne t'en veux pas, mais tu m'as mis mal à l'aise. Et là, maintenant, je suis mal à l'aise. Ça va être de ma faute. Une si bonne journée. Elle parlait de lui, Catherine. Tu parlais de lui, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui, pardon. Ce que je disais... Il s'appelle comme vous, mais à vrai dire... Je m'excuse, ça va, là, je m'excuse, je n'ai rien dit, on dit que je n'ai rien dit. Mais ne me regarde pas comme ça. Franchement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu. Je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout... C'est plutôt là l'origine. Je raconte. Il porte avant tout le prénom de votre père. Et fatalement, par déduction... Celui du roi de France. Écoute, Antoine, écoute-moi, je ne dis rien, tu racontes je n'ai rien dit, je plaisantais. Si on ne peut pas plaisanter, un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter... Il plaisante. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Voilà. Explique. Il porte le prénom de votre père. C'est une idée à laquelle Antoine tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a un peu le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi. Je ne me rends pas compte. Je n'ai qu'un frère et il n'est pas l'aîné, alors... Le prénom du père de l'enfant mâle, du premier garçon, toutes ces histoires. Et puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu dis ça, tu as dit ça. Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas d'essayer de votre vie à votre place, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception bien sûr, on abandonne, on renonce. Et puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout cela. Puisque vous n'aurez pas de fils, il était logique, même si ça pourrait paraître que des traditions de l'histoire ancienne, c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique, nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père, et comme vous de fait. Et je pense que cela fait aussi plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. Et pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit ? L'héritier mâle. Je n'avais pas envoyé de mots. Mais merde, c'est pas de ça qu'elle parlait. Antoine ! Que tu es partie, je me souviens pas de toi. Je pensais pas que tu partais pour tant de temps. Je faisais pas attention, je prenais pas garde et je me suis retrouvée sans rien. C'est pas bien que tu sois partie si longtemps et c'est pas bien pour moi. C'est pas bien pour elle te le dira pas et c'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux, hein, Antoine et Catherine. Mais je crois pas que je me trompe, ça a pas dû être bien pour toi non plus. Tu as dû parfois, même si tu l'avoues pas, hein, jamais, même si tu devais jamais l'avouer, tu as dû parfois ressentir ce besoin de nous et regretter de pouvoir nous le dire. Ou plus habilement encore, je pense que tu es un homme habile. Plus habilement encore, tu as dû parfois regretter
de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois tu nous envoies des lettres. Ce sont pas des lettres, qu'est-ce que c'est? Des petits mots. Juste des petits mots, une ou deux phrases, rien. Ce que j'ai pensé, lorsque tu es partie, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, j'ai pensé que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, était d'écrire. Ou que, de toute façon, et ça, tu peux pas ne pas le savoir, nous éprouvons tous ici une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça. Ou que, voilà, de toute façon, si tu en avais besoin, si tu en éprouvais la nécessité, tu saurais écrire. Mais jamais nous concernant. Jamais tu te sers de cette qualité que tu possèdes, de ce don. On dit comme ça, je crois, une sorte de don, non? Jamais tu ne te sers de ce don pour nous, avec nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve, tu ne nous en juges pas dignes. Pff, c'est pour les autres, hein. Ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Comme si tu voulais toujours paraître en vacances. Pff, je sais pas, je croyais cela. Ou comme si par avance, tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Je vais bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Et même pour un jour comme celui d'aujourd'hui, même pour annoncer une nouvelle de cette importance. Et tu peux pas nier que ce fut une nouvelle importance pour nous. Une nouvelle très importante pour nous. Nous tous, même si les autres te le disent pas, tu as, là encore, écrit quelques rapides indications d'heure et de jour au dos d'une carte postale très certainement achetée dans un bureau de tabac et représentant, que je me souvienne, une ville nouvelle de la grande périphérie vue d'avion, et avec ça on peut s'en rendre compte aisément, au premier plan le parc des expositions internationales. Elle, ta mère, ma mère, elle dit que tu as fait, et depuis sa mort à lui, elle dit que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Elle répète ça. Et si nous devions insinuer, oser insinuer que, comment dire, tu fus pas toujours tellement présent, qu'est-ce qu'elle répond, Elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous? Nous taisons. Est-ce qu'on sait? On te connaît pas. Ce que j'ai pensé, et Antoine pense comme moi, c'est que tu restas proche d'elle, d'une certaine manière. Tu n'oublias jamais les dates essentielles de nos vies. Les anniversaires, quels qu'ils soient. Et oui, tu restes proche d'elle. Et donc, on n'a aucun droit de te reprocher de ton absence. C'est étrange. Je voulais tellement être heureuse de l'être avec toi. On se dit ça, on se prépare. Je te fais des reproches. Et tu m'écoutes, enfin, tu sembles m'écouter sans m'interrompre. Je.
Je vis toujours ici, avec elle. Je voudrais partir, mais c'est guère possible. Antoine pense que j'ai le temps. Ah, il dit tout le temps des trucs comme ça, tu t'en es peut-être déjà rendu compte. Il dit que j'y suis pas mal. Mais c'est vrai, j'y suis pas mal. Je ne pars pas, je reste, hein. Je vis là où je suis née, et là où sont nés avant moi mes parents. Et il y a des gens, ils sont le plus grand nombre, hein. Ils vivent comme ça. Ils sont pas malheureux. Ils sont pas malheureux à cause de ça. On ne peut pas le dire. Hein. Et c'est peut-être mon sort, voilà, ma destinée, cette vie. Je vis au second étage. J'ai ma chambre, je l'ai gardée. Et celle d'Antoine aussi, et la tienne également, si je veux, mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est pas par méchanceté, hein. Mais c'est comme un débarras. On y met les choses qui servent plus, mais qu'on n'ose pas jeter. Ah, voilà. Voilà. C'est beaucoup mieux que ce que je pourrais avoir avec l'argent que je gagne si je partais. Voilà ce qu'ils disent tous quand ils se mettent contre moi. Mais c'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents. Hein. C'est pas pareil. Et toi, tu dois pouvoir comprendre ça. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Bah, sur la durée, ça compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Quoi d'autre? Ce que je voulais dire, c'est que tout va bien. Et tu aurais eu tort, en effet, de t'inquiéter. Tu ne veux jamais laisser parler personne. Elle allait parler. Cela le gêne. Ce que je raconte. On travaillait, leur père travaillait, je travaillais. Et le dimanche, parce que en semaine, les soirs sont plus courts. On devait se lever le lendemain. Les soirs de la semaine, ce n'était pas la même chose. Alors le dimanche, on allait se promener. Toujours et systématique. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Nulle part. Je ne vais nulle part, où veux-tu que j'aille? Je ne bouge pas, j'écoute. Le dimanche. Mais reste avec nous, reviens. Mais c'est ce que je disais. Tu ne le connais plus, tu le vois là tel qu'il a toujours été. Ce que je raconte, le dimanche nous allions nous promener. Pas un dimanche on ne sortait pas, comme un rite. Je disais cela, un rite, une habitude. Tous les dimanches on allait se promener, impossible d'y échapper. On prenait la voiture. Aujourd'hui, vous ne faites plus cela. On prenait la voiture. Nous n'étions pas extrêmement riches, non, mais nous avions une voiture. Et je ne crois pas avoir jamais connu leur père sans une voiture. Je le voyais, déjà, je le regardais. Il avait une voiture, une des premières dans ce coin-ci. Vieille et laide, faisant du bruit, trop. Mais bon, c'était une voiture, elle était à lui, il avait travaillé, et c'était la sienne. Il n'en était pas peu fier. Le matin du dimanche, il la lavait, il l'astiquait, un vrai maniaque. Cela lui prenait 2 heures.
Et l'après-midi, après avoir mangé, on partait. Toujours été ainsi, je ne sais pas, plusieurs années. Belles et longues années. Pas de vacances, non, mais tous les dimanches. Qu'il pleuve, qu'il vente. Il disait les choses comme ça. Une phrase pour chaque situation de l'existence. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Tous les dimanches, on allait se promener. Quelquefois aussi, le premier dimanche de mai. Je ne sais plus pourquoi, une fête peut-être. Nous allions au restaurant, toujours les mêmes et pas très loin d'ici. Les patrons nous connaissaient et on y mangeait toujours les mêmes choses. Les spécialités, les saisons. Friture de carpe et grenouille à la crème. Mais cela n'aime pas ça. Après ils eurent 13 et 14 ans. Suzanne était petite. Ils ne s'aimaient pas beaucoup, ils se chamaillaient toujours et cela mettait leur père en colère. Ce furent les dernières fois et plus rien n'était pareil. Mais je parle trop, je sais pas pourquoi je raconte tout ça, je me tais. Après ces deux-là sont devenus trop grands, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît? Ils ne voulurent plus venir avec nous, ils allaient chacun de leur côté, chacun pour soi, faire de la bicyclette et nous... Seulement avec Suzanne, ça ne valait plus la peine. C'était il y a 10 jours à peine, et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que je décidais de revenir ici. Je me suis levé et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite. Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a 10 jours, j'étais dans mon lit et je me suis éveillé calmement, paisible. Cela fait longtemps que cela ne m'arrive plus, et que je me retrouve toujours, chaque matin, avec juste en tête l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé avec cette pensée étrange et claire que mes parents et les gens encore, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, ma mère, mon frère là aujourd'hui, et ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre, ne m'aime plus. Qu'on ne m'aime plus, comme par lassitude de moi, comme par découragement. Qu'on m'abandonna toujours car je demande l'abandon. C'était cette impression, lorsque je me réveillais, qu'on m'abandonna peu à peu à moi-même, à ma solitude au milieu des autres, parce qu'on ne saurait m'atteindre, me toucher, et qu'il faut renoncer. Et ils renoncèrent à moi tous, d'une certaine manière, après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux, à me le dire aussi, parce que je les en décourage et qu'ils préfèrent comprendre que me laisser en paix, c'est m'aimer plus encore. J'ai compris que cette absence d'amour dont je me plains et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, fit toujours plus souffrir les autres que moi. Je me réveillais avec cette idée étrange et désespérée et indestructible encore. Qu'on m'aimait déjà vivant comme on voudrait m'aimer mort, sans savoir et pouvoir jamais rien me dire. Vous ne dites rien? On ne vous entend pas? Pardon, non. Que voulez-vous que je dise? Je suis désolé pour l'incident tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il a dit ça, Antoine, je voulais que vous le sachiez. Il veut toujours que je ne m'intéresse pas. Il a dû vous prévenir contre moi. Je n'y songeais pas, ce n'était pas important. Mais pourquoi dites-vous ça? Qu'il a dû me prévenir contre vous?
C'est une drôle d'idée. Il parle de vous comme il doit et il n'en parle de toute façon pas souvent, presque jamais. Je ne crois pas qu'il parle de vous. Et jamais en ces termes. Rien entendu de tel, vous vous trompez. Il croit, je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de sa vie. Que sa vie, ce n'est rien pour vous. Moi, les enfants, tout ça, son métier. Vous connaissez son métier? Ce qu'il fait dans la vie, sa situation? Sa situation, elle n'est pas mauvaise, hein. Mais sa situation, vous ne la connaissez pas. Vous connaissez son travail, ce qu'il fait. Ce n'est pas un reproche, hein. Ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi. Ce n'est pas un reproche. Moi-même, je ne saurais vous dire avec exactitude ce qu'il fait. Il travaille dans une petite usine d'outillage. Parfois, je vais l'attendre. Maintenant, presque plus, mais avant, j'allais l'attendre. Il doit construire des outils, mais je ne pourrais pas vous expliquer avec exactitude toutes les petites opérations qu'il accumule chaque jour. Et je ne pourrais pas vous reprocher de ne pas les connaître. Mais lui, il en déduit certainement que sa vie ne vous intéresse pas. Et ce n'est pas être méchant que de penser qu'il n'a pas totalement tort. Vous ne me croyez pas? Non, ce n'est pas être méchant, en effet, c'est plus juste. Je souhaite, quant à moi, ce que je souhaite, c'est que... Ne dites rien. Je vous interromps. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui tout ce que vous avez à lui dire. Moi, je ne compte pas. Je ne rapporte rien. Ce n'est pas mon rôle, ou pas du moins comme ça que je l'imagine. Vous voici à votre tour. Comment avez-vous dit? Prévenu contre moi. Je ne veux rien à dire ou ne pas dire, je ne sais pas. Très bien, parfait alors, à plus forte raison. Mais revenez, Catherine! Cette fille-là, hein? On ne croit pas la première fois où on la regarde. On la croit... tuberculeuse ou orpheline depuis 5 générations, mais on se trompe, hein? Faut pas s'y fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Toujours comme ça, toi, Suzanne? Moi? Oui, comme ça, donnant ton avis. Non. À vrai dire, presque plus. Aujourd'hui, un peu. Dernière salve en ton honneur, hein. Juste pour te donner des regrets. Oui? Quoi? À ce moment-là, Antoine, à l'ordinaire, à ce moment-là, Antoine me dit « Ta gueule, Suzanne !» Pardon, je savais pas. Ta gueule, Suzanne! Je me mêle souvent de ce qui me regarde pas. Je ne change pas, j'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler. Ils ont su que tu revenais et ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à dire et la possibilité, enfin. Mais ils voudront t'expliquer, mais ils t'expliqueront mal, car ils ne te connaissent pas ou mal. Suzanne ne sait pas qui tu es. Ce n'est pas connaître cela, c'est imaginer. Toujours elle imagine et ne sait rien de la réalité. Antoine, lui, c'est différent. Il te connaît, mais à sa manière. Comme il connaît chaque chose, ou comme il croit la connaître, s'en faisant une idée et ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer, et il est probable qu'ils le feront, et maladroitement. Car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes, du peu de temps que vous passerez ensemble. Moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Je me doute que tu ne vas pas traîner très longtemps auprès de nous. Je t'ai vu, tu étais à peine arrivée, tu pensais déjà avoir commis une erreur et tu aurais voulu aussitôt repartir. Ils auront peur du peu de temps et cela sera mal dit, ou dit trop vite, ou d'une manière trop abrupte, ce qui revient au même. Et tu ne comprendras pas, je sais comment cela se passera et c'est toujours passé. Tu répondras à peine 2 ou 3 mots et tu resteras calme, comme tu l'as appris à l'être par toi-même. Ou tu leur souriras, la même chose. Tu leur souriras et ils ne se souviendront que de ce sourire. C'est le seul souvenir qu'ils voudront garder de toi. Et c'est ce sourire qu'ils ressasseront et ressasseront encore.
Rien ne sera changé, bien au contraire. Ce sourire aura comme aggravé les choses entre vous. Ce sera comme la trace du mépris, la pire des plaies. Et Suzanne sera triste à cause de ces deux ou trois mots ou de ce sourire que j'ai dit. Et Antoine sera plus dur encore et plus brutal lorsqu'il devra parler de toi. Silencieux et refusant d'ouvrir la bouche. Ce qui sera plus mal encore. Suzanne voudrait partir, elle l'a déjà dit peut-être. Aller loin, vivre une autre vie dans un autre monde, ces histoires-là. Rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle. Et le même abandon. Antoine, lui, il voudrait plus de liberté. Le mot qu'il emploie lorsqu'il est en colère. On ne croirait pas à le voir, mais souvent, il est un homme en colère. Il voudrait pouvoir vivre autrement avec sa femme et ses enfants, ne plus rien devoir. À qui, à quoi, je ne sais pas. Et ne plus rien devoir. Et c'est à toi qu'ils veulent demander cela. C'est à toi qu'ils semblent vouloir demander l'autorisation. Et c'est une idée étrange et tu te dis que tu ne comprends pas et qu'ils ne te doivent rien et que tu ne leur dois rien et tu n'as peut-être pas tort. Il y a trop de temps passé, tu ne voulus jamais être responsable et on ne serait jamais t'y obligé. Ce qu'ils voudraient peut-être, c'est que tu les encourages, que tu les autorises ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose. Que tu leur dises, que tu dises à Suzanne qu'elle pourrait venir deux ou trois fois l'an, qu'elle pourrait te rendre visite si l'envie lui vient, qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant, qu'elle peut partir, bouger et revenir encore. Et que tu t'y intéresses, donc tu parais t'y intéresser, mais que tu t'y intéresses vraiment, que tu t'en soucies. Que tu lui donnes à lui, Antoine, le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous, d'elle ou de moi. Il ne l'a jamais été. Et je sais cela mieux que quiconque. Mais il a toujours cru qu'il l'était, oui. Il a toujours voulu le croire. Et c'était toujours ainsi toutes ces années. Il se voulait responsable de moi et responsable de Suzanne. Et rien ne lui semble autant un devoir dans la vie et une souffrance aussi. Et une sorte de crime pour voler un rôle qui n'est pas le sien. Que tu lui donnes l'illusion qu'il pourrait, à son tour, à son heure, m'abandonner. Commettre une lâcheté comme celle-là. Qu'il en aurait le droit, qu'il en est capable. Il ne le fera pas. Il se construira d'autres embûches où il se l'interdira pour des raisons plus secrètes encore. Mais il aimerait tellement l'imaginer, oser l'imaginer. Et c'est un homme qui imagine si peu, cela me fait de la peine. Il voudrait que tu sois plus là, plus présent, plus souvent présent. Qu'ils puissent te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier et perdre le respect. Ce fameux respect obligé pour les frères aînés. Alors c'est ça. Petit sourire, juste ces deux ou trois mots. Non. Juste le petit sourire. J'écoutais. C'est ce que je disais. Quel âge est-ce que tu as maintenant ? Moi ? Tu demandes ? J'ai 34 ans. Pour moi aussi, cela fait 34 années. Mais tu vas le vous voyez toute la vie comme ça. Suzanne, ils font comme ils veulent.
Mais merde toi à la fin! Je te parle pas, je te cause pas, mais c'est pas à toi que je parle! Il a fini de s'occuper de moi tout le temps comme ça! Qu'est-ce que j'ai dit? Comment est-ce que tu me parles? Elle veut avoir l'air. C'est parce que Louis est là. C'est parce que tu es là. Tu es là et elle veut avoir l'air. Qu'est-ce que ça va avoir avec lui, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas parce que Louis est là et puis... Et puis merde, merde! Et merde encore, hein? Compris, entendu, saisi? Hein? Et puis bras d'honneur! Voilà, bras d'honneur si nécessaire! Mais, Suzanne! Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu devrais la rattraper. Elle reviendra! Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Oui, je veux bien, un peu de café, je veux bien. Antoine! Quoi? Je payais ma tête, essayez. Tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes! Antoine, où est-ce que tu vas? Ils reviendront, ils reviennent toujours. Je suis contente. Je n'ai pas dit, je suis contente que nous soyons tous là, tous réunis. Mais Louis, où est-ce que tu vas? Au début, ce que l'on croit, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi. S'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner, et ne plus jamais revenir. Que je les emporte, que je ne sois pas seul. Ensuite, mais c'est plus tard, on songe à voir les autres, le reste du monde après la mort. On les regarde, on les jugera. On les imagine à la parade. On les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait triste et amer. Et ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance. Je m'amuse. On s'amusait. On les organise et on fait et refait l'ordre de leur vie. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure. On est bien. Je suis bien. Parfois, c'est comme un sursaut. Parfois, je m'agrippe encore. Je deviens haineux, haineux et enragé. Je fais les comptes, je me souviens. Je mords, il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Un noyé qui tuerait ses sauveteurs. Je leur plonge la tête dans la rivière. Je vous détruis sans regret, avec férocité. Je dis du mal, je suis dans mon lit, c'est la nuit. Et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir. Je vomis la haine, elle m'apaise et m'épuise. Et cet épuisement me laissera disparaître enfin. Demain, je serai calme à nouveau, lent et pâle. Je vous tue les uns après les autres. Vous ne le savez pas et je suis l'unique survivant. Je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier, les meurtriers ne meurent pas, il faudra m'abattre. Je pense du mal, je n'aime personne. Je ne vous ai jamais aimé, c'était des mensonges. Je n'aime personne et je suis solitaire. Et solitaire, je ne risque rien, je décide de tout. La mort au ciel est ma décision et mourir vous abîme. Et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit, je meurs par méchanceté et mesquinerie. Je me sacrifie, vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi. Et je vous verrai, je vous devine, je vous regarderai. Je rirai de vous et haïrai vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon? C'est une idée de vivant inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre,
je n'ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis. Bien pire. Que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient? Ce n'est pas beau. Mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux. Nous nous promenons. Nous marchons la nuit dans les rues désertes, légèrement embrumées, et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes. Nous sommes assez joliment mystérieux. Les réceptionnistes la nuit éprouvent du respect pour nous. Nous pourrions les séduire. Un soir, sur le quai de la gare, on vint doucement me tapoter l'épaule en disant avec un gentil sourire triste de gamin égaré « À quoi bon ?» Ce « à quoi bon, rabatteur de la mort ?» Elle m'avait retrouvé sans même me ramena à la maison, m'y renvoya. Ce « à quoi bon ?» me ramena à la maison, m'encourageant à revenir de mes peines et dérisoires escapades, m'encourageant à revenir de mes peines et dérisoires escapades, et m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Chaque lieu, même le plus laid ou le plus idiot, je veux noter que je le vois pour la dernière fois. Je resterai tranquille désormais. J'ai perdu, je promets. Je ne ferai plus d'histoire. Je mets de l'ordre, j'ai perdu. Je viens ici rendre visite. Je laisse les choses en l'état. Je viens ici rendre visite. J'essaye de terminer. Je laisse les choses en l'état. De tirer des conclusions, d'être paisible. J'essaye de terminer. Rien ne me flatte autant désormais que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même, comme pour une photographie à venir. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, en prenant garde de ne pas me laisser de coupables en photographie à venir. Ou de la salir. Cela repasse en prenant garde de ne pas la salir, ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. Il était exactement ainsi. Et c'est tellement faux. C'était tellement faux. Je faisais juste mine de. Je ne suis pas arrivé ce matin. Je suis parti hier. J'ai voyagé cette nuit. Je voulais arriver plus tôt et j'ai renoncé en cours de route. Ce que je voulais dire, j'étais à la gare ce matin. Des 3 ou 4 heures. J'attendais juste le moment décent pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je ne sais pas. Je te dis ça, je voulais que tu le saches. C'est pas important. Je te le dis parce que je veux te le dire et parce que c'est vrai. Ne commence pas. Quoi? Tu sais, ne commence pas. Tu voudras me raconter des histoires et je vais me perdre. Je te vois assez bien. Tu me racontais des histoires, tu étais à la gare, tu attendais. Et peu à peu, tu vas me noyer. Bon. Tu as voyagé cette nuit? C'était bien? Comment est-ce que c'était? Oui, c'était bien. Je sais pas, un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout. Je dis rien si tu veux rien dire. Ce n'est pas le problème. Je n'ai rien dit, je t'écoute. Donc, la gare? Non, rien. Rien d'important, rien d'essentiel. Je penserais que tu serais content de savoir.
ou que je te le dise. Heureux que je te le dise. J'étais au buffet de la gare. J'étais là, j'attendais. Je n'allais pas venir directement ici. Non, manquer si longtemps et débarquer ainsi à l'improviste, elle n'aurait pas admis. Ou pire encore, elles auraient pu avoir peur. J'imagine assez Suzanne, là, je la découvre. Je la vois. J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. C'est ça. C'est exactement cela, ce que je disais. Les histoires. Et après, on se noie. Moi, il faut que j'écoute. Je ne saurais jamais ce qui est vrai ou ce qui est faux. La part du mensonge. Tu es comme ça. C'est bien une chose. C'est bien une chose que je n'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout ça. Ces histoires pour rien. Tu ne disais rien, tu devais boire un café. Et tu avais mal au ventre. Parce que tu ne fumes pas et que les endroits comme celui-là, tout le matin, je sais mieux que toi, hein, les endroits comme celui-là puent la fumée et donnent envie de dégueuler. Tu lisais le journal. Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lisait les journaux. En face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux et je pense à toi. Je me dis, tiens, voilà les journaux que doit lire mon frère. Il doit ressembler à ces hommes-là. Tu essayes de le lire donc, mais tu n'y arrives pas à te concentrer sur ta lecture. Parce que la fumée des cigarettes te donne juste envie de repartir. C'est à cela que tu penses. Point. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage-là. Non. Tu regrettes pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu n'en connais pas la raison. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi tu es là, pourquoi tu es venu. Et personne ne comprend. Et tu veux regretter qu'on ne sache pas. Parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus simples, plus faciles, moins longues. Et tu serais déjà rabattu. Tu serais déjà débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé. Cela t'a pris un jour, l'idée, juste une idée. Tu te disais qu'un jour il faudrait bien que tu reviennes nous rendre visite, nous voir, nous revoir. Et là, subitement, tu t'es décidé. Je ne sais pas. Tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes, ce n'est pas important pour moi, ça ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien. Tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose, que tu me dirais quoi que ce soit. Ce sont des sottises, tu inventes. C'est là, à l'instant. Tu m'as vu et tu as inventé tout ça juste pour me parler. Tu ne disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère. Tu ne me connais plus. Il y a longtemps que tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne l'as jamais su. Ce n'est pas de ta faute, non. Ce n'est pas de la mienne non plus. Moi non plus, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas et on n'imagine pas dire telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on l'imagine, on l'imagine aussi. Pourquoi tu es là, je ne veux pas le savoir. Tu as droit à un point, c'est tout. Et ne pas être là, tu as droit également, c'est pareil pour moi. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. Je dois pas avoir peur de ça, moi. Tout n'est pas exceptionnel, tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout l'est pas. Et où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être là. Tu voudras me parler, il faudra que j'écoute. Je n'ai pas envie d'écouter, j'ai peur. Depuis toujours, vous me parlez, je dois écouter. Toujours, tout le temps. Les gens qui ne disent jamais rien, on croit qu'ils veulent juste entendre. Mais souvent, tu ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Thank you.
en pleine journée. On ne voit rien. J'entends juste les bruits. J'écoute, je suis perdu et je ne retrouve personne. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Répète! Où est-ce que tu es, Louis? Toi et moi. Ce que tu veux. Je t'entendais, tu criais, non. J'ai cru que tu criais. Je croyais t'entendre. Et vous vous disputiez, vous vous êtes retrouvés. Je me suis énervé, on s'est énervé. Je pensais pas qu'il serait ainsi. Mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça, je ne crois pas. Bah, pas toujours comme ça. Les autres jours, nous allons chacun de notre côté, on se touche pas. Nous nous entendons. Bah, c'est l'amour. Dans mon rêve encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres. Et jamais je ne pouvais les atteindre. Il fallait marcher pendant des heures et je ne retrouvais rien. Louis ? Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit. Je suis enfant. Et il faut maintenant que je revienne très vite. Je me répète cela. Ou bien plutôt, je me le chantonne. Je me chantonne que, désormais, la pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses... Ce que je comprends pas. Que moi non plus. Bah tu ris. Je te vois jamais rire. Ce que nous ne comprenons pas. Antoine ? Oui ! Ce qu'on comprend pas, et comprendrait probablement jamais. Peu probable que je ne comprenne jamais. Que je comprenne jamais. Louis ? Oui, on est là ! Ce que je comprends pas... Ce que tu ne comprends pas ? Bah, il était pas si loin. Enfin, il aurait pu revenir nous voir plus souvent, et puis... Rien de bien tragique non plus, pas de drame, de trahison. C'est cela que je comprends pas, ou ne peux pas comprendre. Comme ça. Pas d'autre explication, rien de plus. Toujours été ainsi, désirable. Désirable et lointain. Je ne sais pas si on peut dire ça. Distant, rien qui ne se prête mieux à la situation. Parti et n'ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité. Où est-ce qu'ils sont ? Qui ? Eux, les autres. Je n'entends plus personne. Vous vous disputiez, Antoine et vous. Je ne me trompe pas. On entendait Antoine s'énerver. Et c'est maintenant comme si... Tout le monde était parti, et que nous soyons perdus. Je sais pas, ils doivent être par là. Où est-ce que vous allez ? Antoine ? Oui ! Et que je puisse être malheureuse ! Que je puisse être triste et malheureuse ! Mais tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais été. C'est lui là, l'homme malheureux. Celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse, mais tu ne l'étais pas. Lui et vous, vous êtes semblables. Lui et toi, et moi aussi, je suis comme vous. Tu as voulu le croire. Tu as décidé que tu étais. Que tu devais l'être. Tu pensais que tu étais malheureuse parce qu'il était loin. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas une bonne raison. Tu ne peux le rendre responsable. Ce n'est pas une raison du tout. C'est juste un arrangement. Je vous cherchais. Je n'ai pas bougé. Je ne vous avais pas entendu. C'était Louis, j'entendais. C'était Louis. Il est parti par là. Louis ? Oui, mais pourquoi tu réponds jamais quand on t'appelle ? Elle t'a appelé, Catherine t'a appelé, et nous aussi nous t'appelons, mais tu réponds jamais, alors il faut qu'on te cherche, on doit te chercher tout le temps. Vous me retrouvez toujours, jamais perdu bien longtemps. Je n'ai pas le souvenir que vous m'avez jamais, au bout du compte, que vous m'avez jamais définitivement perdu. Juste là, on peut toujours me mettre la main dessus. Hey, tu peux essayer de me rendre malheureuse ou mauvaise, enfin, ce qui revient au même. Je les connais. Je connais tes petits arrangements, hein. Tu crois que je les connais pas ? Ce que je disais. Retrouver. Quoi ? Mais c'était quoi ça ? Antoine ? Reviens ! C'est malin ce que tu as dit ! Ta gueule, Suzanne ! Louis, tu m'entendais pas, j'appelais. J'étais là, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, ce n'est rien. Je croyais que tu étais partie. Et plus tard, vers la fin de journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, je repris la route. Je demandai qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Je dis des mensonges. Je promets d'être là à nouveau très bientôt, des phrases comme ça. Les semaines, les mois peut-être qui suivent, je téléphone, je donne des nouvelles. J'écoute ce qu'on me raconte, je fais quelques efforts, j'ai l'amour plein de bonne volonté. Mais c'était juste la dernière fois, ce que je me dis sans le laisser voir. Elle,
Elle me caresse doucement la joue, une seule fois, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime. Et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette. J'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte. Il agite les clés de sa voiture. Il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, qu'il ne souhaite pas que je parte, que jamais il ne me chasse, mais qu'il est l'heure du départ. Et bien que tout cela soit vrai, il semble vouloir me faire déguerpir. C'est l'image qu'il donne. C'est l'idée que j'emporte. Il ne me retient pas. Je vais l'accompagner. Ce que nous pouvons faire, c'est te conduire. T'accompagner en rentrant à la maison. C'est sur notre route, on te dépose. Mais moi, je peux aussi bien. Je le conduis et je reviens aussitôt. Vous restez, vous dînez avec nous. Mieux encore, mais... Mais tout est décidé. Mieux encore, tu restes dîner avec nous ce soir. Il reste dîner. Et tu changes de train. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Ils font comme ils l'entendent. Mieux encore, je dors ici. Je passe la nuit. Je ne repars que demain. Mieux encore, je déjeune ici demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais. Je renonce à tout. J'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. Suzanne, j'ai dit que je l'accompagnais. Elle est impossible. Tout est réglé, elle va à nouveau tout changer. Il veut partir et toi tu te répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part. Ça joint l'utile à l'agréable. Voilà, c'est ça, exactement. Comment est-ce qu'on dit? D'une pierre deux coups. Qu'est-ce que tu peux être désagréable? Tu te rends pas compte, t'es désagréable, c'est pas croyable. Moi? Je suis désagréable? Oui. T'es désagréable, tu vois comme tu lui parles? Tu te rends pas compte, tu t'entends pas, mais tu t'entendrais, c'est... C'est encore que ça. Elle est impossible aujourd'hui, ce que je disais. Je sais pas ce que tu as après moi. Hein. Tu es différente. Si c'est Louis, la présence de Louis, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Catherine, je ne sais pas. Peut-être j'ai cessé tout à fait de comprendre. Catherine, aide-moi. On règle le départ de Louis, je n'ai rien dit. J'ai juste dit qu'on pouvait l'accompagner, je n'ai rien dit de désagréable. Pourquoi est-ce que j'aurais dit quelque chose de désagréable? Enfin, y a-t-il quelque chose de désagréable de ce que j'ai dit? Louis, ce que tu en penses? J'ai dit quelque chose de désagréable? Ne me regardez pas tous comme ça! Elle ne te dit rien de mal. Tu ne te rends pas compte. On ne peut rien te dire. Parfois, tu es un peu brutal. Elle voulait juste... Je suis un peu brutal? Non, pourquoi tu dis ça? Je ne suis pas brutal. Vous êtes terribles tous avec moi. Non, toi, ça va, la beauté. Antoine. Ne me touche pas, je n'ai rien. Faites comme vous voulez, je n'ai rien de mal, je ne vais rien faire de mal. Faut toujours que je fasse mal. Je voulais juste dire, toi non plus, ne me touche pas. Je disais seulement que vous pouvez l'accompagner. Et là maintenant vous êtes à me regarder comme bête curieuse. Il n'y a rien de mauvais dans ce que je dis. C'est pas bien, ce n'est pas juste. C'est pas bien de vous penser ça. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Il fait comme il veut, je veux plus rien. Je vais juste rendre service. Je me suis trompé. Il veut partir, cela va être de ma faute. Cela va encore être de ma faute. On va toujours avoir raison contre moi. Voilà, toujours être contre moi, c'est pas possible. Voilà. Toujours être contre moi. Je disais seulement, je voulais seulement dire. Et c'était pas en pensant mal. Je disais, tu me touches, je te tue. Laisse-le, Louis, laisse-le maintenant. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser. Je ne vous veux aucun mal, mais vous devriez partir. Oui, je crois aussi. Antoine. Antoine, regarde-moi, Antoine, je te voulais rien. Je n'ai rien, je suis désolé. Je suis fatiguée, je sais plus pourquoi, je suis toujours fatiguée. Aujourd'hui, je n'ai jamais été autant fatiguée de ma vie. Je voulais pas être méchant, non. Je voulais pas être méchant. Comment est-ce que tu dis? Brutal, je voulais pas être brutal. Vous dites que je suis un homme brutal, mais je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. Vous ne me regardez pas.
c'était soudain comme si, avec toi, avec les autres, avec Suzanne aussi, et encore avec les enfants, j'étais brutal. Comme si on m'accusait d'être un homme mauvais. Ce n'est pas exact, ce n'est pas juste. Lorsqu'on était enfant, Louis et moi, Louis, tu dois t'en souvenir. Lorsqu'on était enfant, elle l'a dit, on se battait toujours. Et toujours, c'est moi qui gagnais. Toujours parce que je suis le plus fort, parce que je suis plus costaud que lui. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être parce que celui-là, c'est se battre, perdre en faisant exprès pour se donner le beau rôle. Je ne sais pas. Aujourd'hui, cela m'est bien égal. Mais je n'étais pas brutal. Là non plus, je n'étais pas. C'était juste pour me défendre. Tout ça, c'était juste pour me défendre. On ne peut pas m'accuser. Je n'ai rien. Suzanne et moi, ce n'est pas malin. Rie avec moi, Suzanne. Rie avec moi. Ne reste pas comme ça. Je n'allais pas le cogner, non. C'est fini. Suzanne et moi, ce n'est pas malin. On devrait toujours rester ensemble. Ne jamais se séparer. Se serrer les coudes, s'épauler. On n'est pas trop de deux contre celui-là. Tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, mais on n'est pas trop de deux contre celui-là. Je dis ça et ça me fait rire. Toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es mise avec lui. Ce n'est pas un homme mauvais, non? Ce n'est pas ce que je dis. Mais tu as tout de même tort. Il n'est pas totalement bon. Tu te trompes. Ce n'est pas malin, voilà. C'est ça. Ce n'est pas malin bêtement de faire front contre moi. Mais personne n'est contre toi. Oui. Sûrement, c'est possible. Puis encore un peu plus tard. Nous ne bougeons presque plus. Nous sommes toutes les trois comme absentes. On les regarde, on se tait. Tu dis qu'on ne t'aime pas. Je ne garde pas à l'idée à aucun moment de ma vie que tu n'aies pas dit ça. Qu'on ne t'aime pas. Et que c'est de cela que tu souffres. Je pensais que, peut-être, en effet, tu n'avais pas tort. Et que les autres, les parents et moi, nous te faisons du mal, nous n'étions pas bons avec toi. Tu me persuadais, je t'ai convaincu que tu manquais d'amour. Je te croyais, je te plaignais. Cette peur que j'éprouvais, cette peur que personne ne t'aime jamais, cette peur me rendait malheureux à mon tour. Mais coupable aussi, coupable de ne l'être comme il forçant. Parfois, les parents et moi, nous pensons que nous ne t'aimions pas assez, ou du moins, nous ne savions pas te le dire. On ne se dit pas les choses si facilement. Rien, jamais, ici, ne se dit facilement. Nous nous donnions l'ordre de prendre plus souvent et mieux encore soin de toi. Et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimons plus que jamais, tu ne sauras t'en rendre compte. Je cédais. Je devais céder. Toujours j'ai dû céder. Je devais me montrer raisonnable. Faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier. Et jouir du spectacle apaisant, enfin, de ta survie légèrement prolongée. On se surveillait. Nous rendions responsables de ton malheur, soi-disant. Car tout ton malheur ne fut qu'un malheur, soi-disant. Tu le sais comme moi, je le sais, et celles-là le savent aussi. Tout ton malheur n'est qu'une façon que tu as toujours eu et que tu auras toujours, de te protéger, de tricher et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. Tu n'as pas mal. Et tout ton malheur n'est qu'une façon de répondre, d'être là devant les autres, ne pas les laisser entrer. C'est ta manière à toi, ton allure. Le malheur sur le visage, tu as choisi cela et cela t'a aidé et tu l'as conservé. Tu es là devant moi. Je savais que tu serais ainsi, à m'accuser sans mots. Et je te plains, et j'ai de la pitié pour toi. Et malgré toute cette colère, j'espère qu'il t'arrive rien de mal.
Je regrette aujourd'hui le mal que je peux te faire. Tu es là. Tu nous accables, tu m'accables. Je te vois. J'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant. Je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence, qu'elle est paisible et douce, et que je suis un mauvais imbécile qui se reproche déjà aujourd'hui d'avoir failli se lamenter. Alors que toi, silencieux, oh, tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu as tant replié sur ton infinie douleur intérieure dont je ne saurais imaginer le début du début. Je ne suis rien. Je n'ai pas droit. Lorsque tu nous quitteras, lorsque tu me laisseras, je serai moins encore. Juste là, essayer de retrouver les phrases que j'ai dites, aller chercher avec exactitude. Moins encore, avec juste le ressentiment. Le ressentiment contre moi-même. Louis, oui. Je n'ai rien. J'ai fini. Pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu, la nuit dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court, et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien. Et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense.
Il domine la vallée que je devine sous la lune, et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route, avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.